Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non Oui, et alors Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire Ou à la piscine Qu'est-ce qui te plairait le mieux Choisis Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon, alors, tu te décides C'est oui ou c'est non Et toi, qu'est-ce que tu en penses C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Qu'est-ce que tu fais le week-end Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout Non. On a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, <laughs> j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil Oui, c'est Cédric. Il est très gentil, et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche Elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas... Très sympathique. Et le directeur, il est où Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Alors qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 euros. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates. De la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Comment ça, monsieur Noir Vous allez partir je vais quitter mon travail. Vous plaisantez Et qu'est-ce que vous allez faire Je vais faire le tour du monde. Ah bon Et comment vous allez payer ce voyage Je vais vendre ma maison. Vous rigolez Et avec qui vous allez partir Avec votre secrétaire. Non Je vais devenir fou. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais... C'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville Oui, j'ai un grand appartement. Et vous Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais... Quel âge avez-vous 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que t'as T'es malade Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure À 8 heures. Français, une heure. Ensuite, une heure de maths, une heure d'histoire, une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol, une heure de permanence, une heure de sciences nat. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage Bientôt les vacances Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va pas d'examen cette année, mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. <laughs> Chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine Oui, des mocassins marron en daim. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment Je crois qu'elles sont trop petites, non Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non Laquelle La rouge Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens Madame, vous désirez Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses Comment tu la trouves Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez nous cherchons un meuble lit bureau armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau une armoire. C'est bien ça Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord Ah oh oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Le roi tisserand. Dans les temps anciens, il y avait un puissant sultan du nom de Harun Rashid. Il était le calife de Bagdad. Ce monarque avait une femme de grande intelligence et de bons conseils. Un jour, elle insista auprès de lui. Monseigneur, le pouvoir est capricieux et la vie pleine de surprises. Apprends un métier manuel. Les mains on les emporte toujours avec soi. Un jour ou l'autre, l'apprentissage d'un métier révélera son utilité. Le calife accepta et choisit l'art du tissage et de la broderie. Il fit venir un grand maître tisserand-brodeur et commença son apprentissage. Plus que le tissage des tapis, il affectionnait la broderie au fil d'or. Par amour du cheval, il inclinait au travail minutieux sur le cuir destiné aux selleries. Mais son érudition le poussait à la calligraphie pour orner les couvertures des manuscrits. Durant sept longues années, il partagea son temps entre ses responsabilités et sa nouvelle passion pour la broderie fine. Mais Haroun Rashid était réputé pour son sens aigu de la justice et du bien public. Accompagné de son vizir, il avait l'habitude de se déguiser en simple marchand et de se glisser au milieu de la foule pour s'enquérir de la vie de ses sujets. Un soir, pour une raison inconnue, il s'enfuit seul à travers de sombres ruelles. Il marchait quand soudain, il tomba au fond d'un trou. C'était un piège préparé par des bandits détrousseurs qui devinrent furieux de le trouver sans bourse et les poches vides. Il n'eut la vie sauve qu'en leur faisant une juteuse promesse. Je suis tisserand et jamais vous ne trouverez une personne qui sache tisser et broder mieux que moi. C'est ainsi qu'il se retrouva esclave parmi les esclaves. De l'aube au crépuscule, il tissait des tapis et exécutait de magnifiques broderies que le maître revendait à prix d'or. Tandis que la police le recherchait inlassablement dans tout le royaume, le roi mûrissait un projet pour recouvrer sa liberté. Il attendait patiemment le moment propice, car l'infinie cupidité de son geôlier était un atout un jour alors que ce dernier lui exprimait sa satisfaction en soupesant les pièces d'or dans ses mains le calife lui proposa apporte-moi une étoffe en velours noir et du fil d'or de belle facture je te façonnerai une somptueuse broderie jamais vue de mémoire de commerçant l'épouse du calife t'en donnera une fortune aussitôt on fit remettre à l'esclave le tissu et une bobine de fil d'or. Il ne fallait pas perdre un instant. Le roi tisserand, maître de son art, tissa à l'aiguille une broderie en relief représentant un oiseau posé sur un délicat épi de blé. Un véritable chef-d'œuvre. Le maître des esclaves se précipita au palais avec sa précieuse étoffe sous le bras. Il demanda audience et fut reçu. Il déroula la magnifique pièce devant la sultane qui poussa un murmure de ravissement. Oh, cela ferait un somptueux vêtement de cérémonie. Mais à l'observation, un détail attira son attention. En effet l'épi de blé sur lequel l'oiseau était posé demeurait bien droit or le poids de l'oiseau aurait dû le faire pencher intriguée elle regarda de plus près elle sentit soudain son cœur bondir dans sa poitrine elle venait de reconnaître la dextérité de l'aiguille de son mari ne laissant rien paraître de son émotion, elle poursuivit attentivement l'observation des motifs méthodiquement jusqu'à y déceler le message secret calligraphié qu'elle avait pressenti. Le roi indiquait l'endroit précis où il était détenu. Sur le-champ, elle fit arrêter le maître des esclaves et fit libérer le sultan. C'est depuis cette époque que l'on dit L'apprentissage d'un métier révélera toujours, un jour ou l'autre, son utilité. Le lion et le renard cordonnier il était une fois un vieux lion qui ne pouvait plus chasser car ses pattes ankylosées refusaient de le porter. Compère Renard se mit en tête de se moquer de lui. Oh monseigneur, tu devrais courir un peu pour te dégourdir les jambes. Insolent, il fut un temps où tu n'osais même pas rôder à distance de mes terres et te voilà maintenant me narguant parce que je suis vieux et que mes jambes me lâchent. Monseigneur, quelle méprise. Je suis ton humble serviteur, et je ne cherche qu'à t'aider. En quoi un misérable comme toi pourrait m'aider? Le renard, se maintenant à bonne distance, poursuivit. En te soulageant de tes douleurs. Le métier de cordonnier n'a pas de secret pour moi. Nous sommes cordonniers de père en fils. Je vais te fabriquer une paire de bottines en cuir, afin que tu puisses marcher sans avoir mal aux pieds, et même chasser comme au temps de ta jeunesse. À ces mots, le fauve redressa la tête, et un frisson parcourut sa crinière. Voyons cela. Allez au travail. « Égare à toi si tu me racontes des histoires !» Sans plus tarder, le renard se dirigea vers un monceau de terre où on venait d'enfuir le cadavre d'une vachette. Il y découpa quatre larges morceaux de peau encore fraîches et rejoignit le roi des animaux sans crainte, sûr de son affaire. Oh « Ô mon roi Tends tes pieds le lion s'exécuta de bonne grâce à l'idée de retrouver une nouvelle jeunesse. Le renard s'appliqua délicatement et lui couvrit chaque patte d'un morceau de peau qu'il attacha d'un lacet en tige de nain. Sous l'effet de l'humidité, le lion éprouva une agréable sensation. Le renard insista. Maintenant, monseigneur, il ne te reste plus qu'à mettre tes pattes à sécher au soleil, et tu pourras filer. Le lion, confiant, suivit les consignes à la lettre et patienta sous le soleil brûlant. Hélas. Le cuir se rétrécit, se rétrécit et durcit comme du bois mort. La douleur arracha au lion de terribles rugissements. Aucun animal n'osa s'en approcher. Le renard, lui, fier de son exploit, parcourait le pays pour annoncer la nouvelle. Je suis le vengeur, le lion est sous la torture. Ce las, Madame Lièvre, eut pitié et dit au lion Monseigneur, Promets-moi de ne pas me dévorer et j'atténuerai tes souffrances. Parole de roi, tu auras même une récompense. La hase s'activa du mieux qu'elle put en courant du point d'eau au roi des animaux. Elle remplissait son gosier et le déversait sur le cuir qui se dilatait. Elle libéra enfin les pattes du lion qui retrouvèrent quelque liberté de mouvement. L'animal ingrat, au lieu de remercier madame lièvre qui s'était donné tant de mal, leva sa lourde patte et la laissa retomber sur elle. Elle se débattit. Tu cherches à dévorer celle qui t'a sauvée? Oui, c'est la Providence qui t'envoie. Et gloup. Il l'engloutit si vite qu'elle glissa rapidement et se retrouva expulsée par derrière. Ouf! Elle se sauva sans demander son reste, tout en répétant Bonnes gens! Craignez le mal qui vient de celui à qui vous avez fait du bien! Bonnes gens! La Gazelle d'Or. Il était un prince, voyageur intrépide, qui parvint un jour au pied d'une citadelle entourée de remparts. En levant la tête au ciel, il s'aperçut que chaque créneau était coiffé d'un crâne humain. Il en compta quatre-vingt-dix-neuf. Emporté par sa curiosité, il franchit le lourd portail qui en permettait l'accès. Une atmosphère austère y régnait. Sur son chemin, vint à passer un petit homme à l'allure pressée. Il s'en approcha pour l'interroger, mais l'homme l'interrompit. Quitte cette ville, étranger. Mais pourquoi donc Elle cause la perte de tous les jeunes hommes qui s'y aventurent. Et ces crânes humains, qu'est-ce que cela veut dire le sultan fait couper la tête des prétendants de sa fille, auxquels il soumet une énigme que personne n'a réussi à résoudre. Ciel Mais quelle est donc cette énigme La princesse d'une beauté sans pareille a une mystérieuse marque de naissance sur le corps. Quiconque voudrait l'épouser doit deviner de quoi il s'agit, à ses risques et périls. Le prince qui aimait les défis, se laissa tenter. Mais avant de se porter candidat, il s'installa discrètement dans la ville. Il avait déjà sa petite idée derrière la tête et se mit à la recherche d'un bijoutier de renom. L'ayant trouvé, il demanda à entrer en apprentissage. Le maître accepta. Mais au bout de quelques jours, il s'aperçut que son apprenti, bien que fidèle au poste chaque matin, n'était pas attentif au métier. Il s'en inquiéta. Jeune homme, je vois bien que ce n'est pas le métier que tu cherches à acquérir. Pour quelle raison es tu là? Sans détour, le prince sortit une bourse d'or et la posa sur l'établi. Je suis le fils d'un grand roi, et je ferai ta fortune si tu m'aides à m'introduire secrètement dans la chambre de la princesse. Mais tu es fou? Non, c'est le seul moyen de découvrir la marque qu'elle porte sur le corps, afin de l'épouser et d'arrêter le massacre. Le bijoutier ne se fit pas prier plus longtemps et se mit à l'ouvrage. Il fabriqua une magnifique gazelle d'or de grande taille dont l'abdomen creux était doté d'une porte secrète. Cette prodigieuse et inestimable œuvre d'art ne pouvait être acquise que par le roi qui en fit cadeau à sa fille. Avant de la livrer, ainsi qu'il en avait été convenu, le bijoutier y enferma le prince. La gazelle fut déposée dans la chambre de la princesse qui voulait l'admirer tout à son aise. Voilà comment, dès la première nuit, le prince activa l'astucieux mécanisme et sortit du ventre de la gazelle. Alors que la princesse dormait profondément, à pas de velours, il saisit la chandelle qui se trouvait sur le chevet, l'éteignit, et la déposa sur un guéridon au pied du lit. Dès le réveil, la princesse remarqua que la chandelle avait été déplacée et, plus surprenant, elle ne s'était pas consumée. Intriguée, elle mena une discrète enquête auprès de ses servantes, mais sans résultat. La nuit suivante, elle se cacha derrière les rideaux de sa fenêtre pour confondre un éventuel intrus, mais elle céda rapidement au sommeil. Le prince en profita pour répéter son manège de la veille. La princesse sentit sourdre en elle une angoisse infinie. Elle tenta de veiller sans y parvenir. Après la troisième nuit, Convaincue qu'il s'agissait d'une manifestation de l'invisible, elle implora. Ô oh, toi qui perturbes mon sommeil, qui que tu sois, djinn ou humain, montre-toi. Fais-moi serment sacré de ne révéler ma présence à personne et je te dirai toute la vérité, répondit une voix étouffée. La princesse sursauta, se reprit et fit serment. Alors le ventre de la gazelle s'ouvrit, et le prince apparut majestueux. Il se présenta selon les coutumes de son rang. Ô oh, merveilleuse princesse, ne crains rien, je suis fils de roi et je ne te veux aucun mal. J'ai risqué ma vie pour venir jusqu'ici. Fais moi la faveur de me révéler le secret de ta marque de naissance, et j'irai demander ta main. La surprise passée, le visage de la jeune fille s'illumina, et elle s'exclama. Ô oh noble étranger, ton courage m'honore, et une parole donnée relève du sacré. Et joignant le geste à la parole, elle découvrit son épaule. Il ne restait plus au prince qu'à quitter le palais comme il y était entré. Il eut l'idée ingénieuse de briser une pâte de la gazelle avant de s'y cacher. La princesse devenue sa complice exigea qu'on la portât chez le bijoutier pour la réparer. Le lendemain, richement vêtu et portant les armures et les écussons de son royaume, le prince se présenta au sultan et lui demanda la main de sa fille. Le monarque le mit en garde. Ignorez-vous les conditions, mon ami? Si vous échouez, à tout jamais votre crâne sera le centième à orner mes remparts. Le prince, impassible, répondit: Sire, j'ai la solution à votre énigme. Sur l'épaule droite de la princesse, poussent un long cheveu noir, un long cheveu d'or et un long cheveu d'argent. Le sultan n'eut d'autre choix que d'accorder la main de sa fille à ce prétendant si avisé. Une grande cérémonie fut organisée. On y célébra à la fois le mariage et la fin de cette cruelle épreuve. En guise de dot, la princesse n'emporta que la gazelle d'or. Mon histoire a suivi le cours de la rivière et moi je suis restée avec les seigneurs. L'homme qui épousa une ogresse. Jadis, Malgré la mise en garde des siens, un homme épousa une très belle femme rencontrée dans la forêt. Il ne pouvait se douter que c'était une ogresse. Le jour, elle pétrissait le pain, roulait le couscous, et vaquait aux occupations ménagères telles les autres femmes. Mais la nuit, elle se faufilait dans l'enclos où les bergers enfermaient leurs troupeaux et dévorait une brebis. Les hommes de la tribu, très inquiets, se réunirent pour trouver une solution à ces disparitions. Le père du mari de l'ogresse se proposa. Pour bien surveiller le troupeau, cette nuit je m'envelopperai dans ma djellaba noire et me dissimulerai au milieu des brebis. L'ogresse, qui ignorait que son beau père était dans l'enclos, se glissa comme à son habitude pour se rassasier de la brebis la plus grasse. Dans l'obscurité, elle saisit le vieux qui cria Lâche moi, immonde créature. Elle retira sa main en bafouillant Mais ce n'est que moi, ta belle fille. J'ai entendu un agneau bêler et je suis venu voir s'il y avait un voleur. Le vieux fit mine de la croire tant il avait peur et dès le lever du jour, il alerta son fils. Malheur! Ta femme est une ogresse! Sauvons-nous pendant qu'il est encore temps! Quand elle aura décimé nos troupeaux, elle s'attaquera à nous! Le fils protesta. C'est impossible. Elle m'a donné une fille. Elle ne peut être une ogresse. Comme l'homme ne voulait rien entendre, les siens le quittèrent. Ils déménagèrent en lui laissant sa part des bêtes moutons, vaches, chevaux. Il resta seul avec sa femme et sa toute petite fille. Hélas. Au fil des jours, son cheptel se rétrécissait. Aveuglé par l'amour qu'il portait à sa femme, il trouvait toujours une excuse à ses disparitions. Il se disait que les bêtes s'échappaient de l'enclos ou que le chacal les dévorait. Un jour, il revint plutôt des champs et, horreur, il découvrit sa femme, la tête plongée dans les entrailles d'une pouliche. Avant qu'elle ne l'aperçoive, il déposa sa fille sur ses épaules et s'enfuit à toutes jambes. Soudain, alors qu'il reprenait son souffle, sa fillette l'attrapa par les oreilles et lui dit mmh. Oh papa, j'ai faim et je grignoterai bien tes belles oreilles. Quoi Ma propre enfant serait une ogresse sans hésiter, il la précipita dans la rivière profonde et continua sa course. Mais l'ogresse était déjà à ses trousses. Il faillit être rattrapé, ne fût ce l'opportune présence d'un grand peuplier. Il grimpa jusqu'au sommet. L'ogresse se posta au pied de l'arbre et se mit à le menacer. Jamais tu ne m'échapperas. Car soufflera le vent d'hiver, tu tomberas et je te dévorerai soufflera le vent du printemps, tu tomberas et je te dévorerai soufflera le vent d'été, tu tomberas et je te dévorerai soufflera le vent d'automne, tu tomberas et je te dévorerai. Depuis, chaque jour. Sauf quand elle chassait pour se nourrir, elle s'acharnait sur le tronc de l'arbre qu'elle rongeait de ses dents pointues pour le couper. Terrifié, l'homme implorait. Ô arbre de mon père et de ma mère, grossis, grossis! Et juste au moment de se rompre, le tronc reprenait sa forme initiale. Le temps passa ainsi. Et l'homme scrutait l'horizon dans l'espoir d'apercevoir quelqu'un qui pût le secourir. Un jour, il vit un vol d'oiseaux et cria dans sa direction. Oh vous qui volez si haut Allez dire à ma mère et à mon père que je suis en grand danger. Les oiseaux migrateurs portèrent le message des cavaliers de sa tribu armés volèrent à son secours. Ils découvrirent le peuplier. Heureusement, l'ogresse était à la chasse. L'homme quitta vite son arbre, après avoir accroché son burnous à une branche, pour laisser croire qu'il était toujours là. Il enfourcha un cheval et fila avec ses sauveurs. À son retour, L'ogresse, rassurée par le burnous qui flottait sur la cime de l'arbre, continua ses menaces tout en rangeant le tronc. Ainsi les saisons se succédèrent et vint l'automne venteux. Un matin, une tornade se leva et le burnous voleta dans l'air avant de tomber sur un rocher à proximité de l'arbre. Ah. Je t'avais dit que tu tomberais. Hurla l'ogresse en furie. Elle se jeta sur le burnous et le mordit avec une telle violence que toutes ses dents se brisèrent sur le rocher. On dit qu'elle en est morte. Quant à l'homme, il vécut en paix avec les siens. Mon histoire a pris la route du feu. Et moi, j'ai mangé d'urfis délicieux. L'enfant serpent. Il était une fois une femme qui se désolait de n'avoir pas d'enfant. Un jour, alors qu'elle cuisinait, elle aperçut un tout petit serpent au fond de la cheminée. Elle le trouva si mignon qu'elle dit tout haut: "Oh mon Dieu, si seulement j'avais un enfant, même si c'était un serpent, chose incroyable. son vœu fut exaucé et neuf mois après elle mit au monde un petit serpent, malgré le désagrément éprouvé par cette naissance." Les parents le nommèrent Samy et lui donnèrent toute leur affection. Toutefois ils s'accordèrent de le garder caché dans la maison. Mais Samy, bien qu'obéissant, se montra vite exigeant. Un jour, après avoir regardé par la fenêtre, il interpella sa mère. Maman, habille moi. Je veux sortir jouer avec les autres enfants. Tu ne peux pas, tu es un serpent, répondit tristement la mère. Puisque c'est ainsi, je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. Sa mère, très inquiète, finit par céder, et Samy se fit beaucoup d'amis. Quelques temps après, à l'approche de l'été, pour la célébration de la circoncision, toutes les mamans tissèrent à leurs garçons des burnous blancs et des chéchillas rouges. Samy s'enthousiasma. Moi aussi je veux être circoncis. Sa mère tenta encore une fois de le raisonner. Tu ne peux pas, tu es un serpent. « Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Contrainte et forcée, elle lui organisa une fête et lui tissa un burnous et une chachia. Le temps passa et un matin, Samy vit ses camarades ardoises à la main se diriger vers l'école. Il courut trouver sa mère. « Je veux étudier comme mes amis. » Tu ne peux pas, tu es un serpent. Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. Ses parents se concertèrent et son père le conduisit chez le maître d'école qui, fort heureusement, accepta de l'inscrire. Et Samy devint un très bon élève. Longtemps après, alors que tous les enfants avaient grandi, une grande course de chevaux s'organisa. Chaque jeune homme devait y participer. Les jeunes filles, joliment parées, attendaient sur la ligne d'arrivée. Le champion serait choisi comme époux par la plus belle de toutes. Samy se préparait d'être de la partie quand sa mère lui dit. Tu ne peux pas tu es un serpent. Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. Finalement, son père lui harnacha un magnifique cheval, et Samy provoqua la surprise en arrivant le premier. Hurrah Samy est notre champion, cria la foule. Hélas, aucune des filles ne voulut de lui comme mari. Inconsolable, Samy rampa et se glissa sous les couvertures. Il menaça de ne plus s'alimenter jusqu'au jour où on lui trouverait une fiancée. Sa mère, contrainte et forcée, munie d'un panier garni de cadeaux, se mit à la recherche d'une jeune fille à marier. Elle en trouva une et le mariage s'organisa. Le soir des noces, on introduisit la mariée vêtue de sa robe blanche dans la chambre nuptiale, et on l'installa sur le lit. Samy, qui était cachée sur la poutre du plafond, se laissa tomber dans son giron. La pauvre fille s'enfuit en hurlant. Au secours. Un serpent. Samy retourna se coucher, et refusa de manger. Sa mère désespérée reprit son panier et demanda la main d'une autre jeune fille. Le soir du mariage, Samy se laissa de nouveau tomber dans le giron de la mariée. Celle-ci, contrairement à la précédente, le prit dans ses mains et dit avec tendresse Si c'est cela le mari que le ciel m'envoie, il est le bienvenu. Dès qu'elle prononça ces mots, un miracle se produisit. Le serpent se mua en magnifique jeune homme. Il se vêtit d'un burnous blanc, se coiffa d'une chéchillère rouge et se présenta devant les invités au bras de sa femme. Tout le monde était ravi. Et la fête dura plusieurs jours et plusieurs nuits. Vous pouvez me croire, car j'y étais. Mon histoire a disparu, et moi je suis revenu. l'astucieuse fille du paysan. Pour se trouver un vizir, un grand sultan posa une énigme à ses sujets. C'est un arbre qui possède douze branches chacune des branches comporte trente feuilles, et chacune des feuilles renferme cinq graines. Sera mon vizir celui qui, dès demain, me rapportera la réponse. Il arrivera au palais, nu et habillé à la fois, transporté et marchant à la fois. Parmi les hommes se trouvait un paysan ambitieux. Il courut consulter sa fille, qu'il savait intelligente. Sans hésiter, elle lui dévoila la solution. Père L'arbre représente l'année, les branches les douze mois, les feuilles les trente jours. Quant aux graines, elles sont les cinq prières quotidiennes qu'effectue le musulman. Mais comment être nu et habillé à la fois Comment me déplacer à pied tout en étant transporté C'est simple. Demain, très tôt, tu t'habilleras du seul vêtement que je vais te confectionner à partir d'un filet de pêcheur. Tu seras donc à la fois habillé et nu. Ensuite, tu n'auras qu'à monter sur notre jeune baudet. Comme tu as de longues jambes, elles toucheront le sol. Tu seras donc à pied et à doudane. À l'aube, le paysan triompha. Et le sultan qui apprécia son intelligence en fit son vizir. Ainsi le nouveau vizir gouverna grâce à l'aide discrète de sa fille. Mais, avec le temps, le sultan qui était un homme d'esprit eut un doute à son sujet. Un jour il l'interrogea. Voilà un moment que je t'observe. Tes solutions, bien qu'efficaces, ne me semblent pas être le fruit d'une intelligence masculine. Éclaire moi par la vérité, et tu seras pardonné. Si je découvre que tu m'as menti, je te ferai couper la tête. Le vizir, confus, avoua. Sire, je vous demande pardon, c'est ma fille unique qui me conseille. Le monarque qui n'avait pas trouvé la femme de ses rêves lui pardonna et lui demanda la main de sa fille. Cette dernière accepta. Mais le sultan exigea d'elle de ne jamais intervenir dans les affaires du royaume sans y être invitée. Elle en fit serment. Le temps s'écoula dans l'harmonie et le respect des convenances Jusqu'au jour où un verdict injuste rendu par le sultan suscita le courroux de la jeune femme. Un pauvre paysan se trouva dépossédé de son anon par un riche marchand qui prétendait que cet anon était né de sa mule. Or, le sultan avait donné raison au marchand, bien que chacun sût que les mules sont stériles. Le paysan débouté, l'air attristé, quittait le palais quand la sultane l'interpella de sa fenêtre. Hé. Hey, homme de bien, approche. Je vais t'aider à récupérer ton animal. Intrigué, le paysan écouta attentivement le conseil qu'elle lui souffla, et le sourire aux lèvres, il s'en retourna dans la salle d'audience, et demanda la parole Sire j'ai oublié de vous signaler un autre étrange phénomène dont j'ai été témoin lequel parle vite un banc de poissons pêchés dans le champ du marchand des poissons qui pèsent tu te moques de moi ô oh, grand sultan pourquoi ne pas admettre que tout peut arriver à l'époque où les mules mettent bas? Le sultan admit son erreur et fit restituer son bien au paysan, non sans exiger de lui une explication. Dis moi, pourquoi t'es tu ravisé? De qui tiens tu ces répliques astucieuses? D'une aimable femme du palais à sa fenêtre, sire. Le sultan furieux se précipita auprès de son épouse. Tu as rompu le pacte. Tu es intervenu dans les affaires du royaume sans que je te le demande. Emporte tout ce à quoi tu tiens, et quitte ce palais dès demain matin. La jeune femme accepta sans brancher la décision souveraine. Pour leur dernier dîner, discrètement, elle versa une poudre soporifique dans le café du sultan. Dès qu'il sombra dans un sommeil profond, elle l'enferma dans un coffre et l'emporta avec elle. Le lendemain, lorsque le sultan ouvrit les yeux, il fulmina. Que fais tu encore à mes côtés? Ne t'ai je pas ordonné de t'en aller? Mais où suis je? Elle répondit d'une voix tendre Monseigneur, je suis partie. Et tu as bien précisé que je pouvais emporter avec moi tout ce à quoi je tenais, n'est-ce pas Et comme tu es mon bien le plus précieux, c'est toi que j'ai emporté. Le sultan, désarmé, ne put retenir un sourire affectueux. Il dit alors avec douceur mon épouse, je dois admettre que tu es vraiment subtile et sage. Je te décharge désormais de ton serment, car tes conseils me sont les plus précieux. Retournons chez nous à présent. Mon histoire a suivi le cours de la rivière, et moi je suis restée avec les seigneurs. L'âne et le renard. Un jour, la fermière dépêcha l'âne pour porter deux agneaux jusqu'au pâturage sur la colline où les bergers les attendaient. Sachant que renard Vib serait aux aguets, la fermière multiplia les recommandations et l'âne promit d'être prudent. Justement, il trouva sur son chemin Vib le rusé étalé sur le dos et gémissant. Aïe aïe. L'âne, généreux et pacifique, lui demanda. Que t'arrive t-il? J'ai la patte brisée. Aïe. Pitié. Porte moi. Impossible. Je transporte des agneaux, et je sais que c'est là ton repas préféré. Je te promets de ne pas y toucher mais ne me laisse pas ainsi à la merci des bergers. L'âne eut finalement pitié et l'invita à grimper sur son dos. À peine quelques mètres, Evib dévora le premier agneau. Il jeta ses os au loin. Le bruit attira l'attention de l'âne qui s'en inquiéta. Mais qu'est ce que j'entends là? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. Puis il dévora le deuxième agneau et jeta ses os. Mais quel est donc ce bruit? Ce n'est rien, te dis je. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. Continua le traître, avant de bondir d'un coup et de détaler dans la campagne. Pauvre âne il comprit trop tard qu'il venait d'être dupé et dut affronter les bergers qui l'attendaient mais content d'avoir perdu deux agneaux ces derniers le rouèrent de coups et à chaque coup l'âne jurait de se venger le temps passa et l'hiver s'annonça particulièrement rude la nourriture se raréfia et les animaux avaient faim L'âne qui n'avait oublié ni la duperie ni la bastonnade des bergers, un jour de grande disette et de grand gel, il s'étala et fit le mort devant la porte du renard. En sortant la première, la renarde le découvrit. Elle revint vite sur ses pas et réveilla son mari. Lève toi. Le ciel nous comble. L'âne est mort devant notre porte. Vip sauta de son lit et se pourlécha les babines. Quelle manne! De la viande fraîche! Ma femme, vraiment tu ne m'annonces que de bonnes nouvelles. Tu es mon porte-bonheur. Mais comment l'introduire dans la maison pour le découper? L'idée surgit de l'esprit de la renarde. « Je vais attacher ta queue à la sienne et tu n'auras plus qu'à le tirer tout doucement. » Le renard acquiesça. Mais une fois les deux queues bien liées ensemble, contre toute attente, l'âne se releva d'un bond et fila à toute vitesse en portant son ennemi derrière lui. Traîné sur le sol gelé et caillouteux, Vib hurlait, implorait le pardon, mais l'âne continua sa course. Il le promena longtemps, afin que chacun puisse en rire. Puis il l'abandonna écorché vif sur le chemin tout en lui lançant. N'oublie jamais l'âne est endurant, mais il ne peut supporter plus que de raison. Dans la tribu nomade le jeune Vieb, fils du chef Ranem, était le meilleur des bergers. Rusé, grand cavalier, il maniait le sabre, parlait aux plantes et interrogeait le sable. Un jour, avant de changer de campement, les sages de la tribu désignèrent un groupe de jeunes garçons pour repérer les terres de leur nouvelle destination. C'était une épreuve d'initiation. Fiers d'entrer ainsi dans le cercle étroit des initiés, ils enfourchèrent leurs chevaux et galopèrent à bride abattue. Quelques jours après, ils revinrent fourbus de fatigue. Pressés de se reposer, ils entravèrent leurs montures en aval de la réunion des sages qui les attendaient. Seul parmi eux Vièbe prit la peine d'entraver sa jument en amont et fit les salutations d'usage avant de rejoindre la tente de ses parents. Un peu plus tard, les jeunes se présentèrent dignement devant leurs aînés qui les interrogèrent. Alors, ce voyage, qu'en avez-vous retenu? Rien de particulier répondirent les jeunes nomades. Ranem regarda son fils et insista. Et toi, Vieb, as-tu quelque chose à ajouter Et à Vieb d'expliquer. Nous n'avons effectivement pas vu âme qui vive, mais la terre que nous avons repérée venait d'être traversée par une longue caravane. Une caravane qui comptait un dromadaire borgne, un dromadaire sans queue, un homme gaucher, une femme enceinte et une chienne qui venait d'avoir une portée. Les anciens, qui savaient la marque de la lignée, tendirent leurs oreilles afin de n'en rien rater. Comment peux-tu être si précis alors qu'il n'y avait pas âme qui vive? Inclinant légèrement la tête vers le bas en signe de respect, continua. Les traces de la caravane sur le sol étaient visibles. Quant au reste, voici mes observations. Le dromadaire était borgne car sur le bord de la route, l'herbe n'était broutée que d'un seul côté. Preuve que l'animal ne voit que d'un œil. L'autre dromadaire, était sans queue, car il était le seul à avoir les crottes alignées. Preuve qu'il ne pouvait les disperser en agitant la queue. Et l'homme gaucher, et la femme enceinte, insista un homme de l'assemblée. Le sable parle. Comme vous savez, les nomades ne se séparent jamais de leurs bâtons, prêts à se battre en cas de danger. L'un d'entre eux, qui suivait à pied portait constamment le sien de la main gauche. Quant à la femme enceinte, ses pas sur le sable montraient qu'en marchant, elle appuyait beaucoup plus sur les talons. Seule une femme alourdie par sa grossesse marche ainsi. Et comment as-tu deviné que la chienne de cette tribu venait d'avoir des petits? La chienne qui suivait, marchait par moments sur ses pattes arrière seulement. Preuve qu'elle s'agrippait à une bête sur laquelle était posée sa portée. Cela, chez les chiens, nous l'avons tous constaté. Les sages qui étaient en admiration posèrent une dernière question. « Dis-nous pourquoi, en arrivant, contrairement aux autres garçons, tu as attaché ton cheval en amont j'ai senti la direction du vent en aval l'odeur du crottin de mon animal risquait de vous incommoder vous l'honorable assemblée conclut enfin vièbe qui fit une fois de plus l'admiration des siens tous les sages tournèrent leurs regard vers ranem son père qui dit avec fierté c'est ainsi pour saisir ce qui est hors de portée, le héros Ilalien possède sa main, son sabre, mais également le bord de ses cils. De nos jours encore, les récits des élégantes hardiesses de vieb enchantent petits et grands.